Hey, salut les amis, on retourne pour un nouveau stream vintage au travers de l'historique des shmups. En ce moment, on tourne pas mal autour des années 80, voire les années juste pré-80, vu qu'on est pile sur 79. 79, cette année où ça criait. Et oui, vous l'aviez entendu crier Alien pour qu'ils reviennent pas, qu'ils reviennent même plus jamais. Et pourtant, il y en a eu des remakes d'Alien derrière. Enfin bon, nous pendant ce temps, on écumait les salles d'arcade pour essayer de trouver des nouveaux jeux, des trucs à se mettre sous la pogne. Et c'est cette année-là qu'on a découvert qu'un studio de cinéma s'intéressait aux jeux vidéo. Et oui, aux jeux de vidéo, vous me direz, mais c'est bien étrange. Universal avait-il eu le nez creux? On ne sait pas, bien qu'on en ait entendu parler dans ces années 2018-2017. Pas combien d'ailleurs. C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui avec leur petit jeu. Qui, merde, j'ai bouffé le nom, dis donc. Leur petit jeu qui ne s'affiche pas, déjà une. Donc ça me met un peu le caca. Et qui... Je vais mordre. Et qui s'appelle Galaxy Wars. Alors Galaxy Wars, du coup, il avait quand même bénéficié d'une énorme campagne de com. Enfin, pour l'époque, hein, c'est à relativiser. Et se présenter, bah vous pouvez le voir dans le stream Ode à 50 ans de borne d'arcade, se présenter avec un meuble de très très bel apparat, comme on dit. Est-ce que tu voudrais bien t'afficher, espèce de sombre sous-merde? Merci! Finalement, en gueulant et en râlant, ça finit par fonctionner, c'est pas mal. Alors, on a de la grosse HD, hein, on a du HDR là, on voit bien que le rouge, si vous regardez bien en HDR, il y a plusieurs rouges dedans, quoi. C'est un truc de fou. Je me moque, je me moque, je me gosse, mais regardons voir comment ça marche. Alors, vous avez une station où vous lancez votre missile qui ne doit pas toucher les méduses, car il y a toujours des méduses volantes, hein, c'est connu. Pour aller perpétrer son forfait dans la zone ennemie, ces vilaines soucoupes de Vega qui vous narguent de tout là-haut. Soit, c'est tout. On va essayer, on va essayer. Pas de son, c'est dommage, je vais être obligé de chanter. Je suis désolé pour vous, les amis. Oh, la vitesse de déplacement du truc, laisse tomber. Ok, ah, je peux accélérer. Ouais, je peux freiner aussi. Non. Capot. Kamikaze. Bon, ben voilà, ça c'est check. Suivante. Et hop. Alors, est-ce que si je tapais une rose là-haut, ça me ferait plus de points? Ça se teste, hein? Non, je suis déçu, ça en a fait moins, il me semble. Non, ça en a fait plus, ça va. Mais ce jeu est passionnant, dites-moi. Donc les méduses là, elles m'emmerdent parce que du coup je comprends pas ce qu'il faut en faire. Faut pas passer dedans, mais faut pas se les prendre sur la gueule. C'est assez étrange. On y va. Capot. Donc on tient là un jeu tout à fait passionnant qui mêle à la fois habilement suspense, habileté, et puis des bruitages en sur-roue, n'en veux-tu, en voilà quoi, avec des explosions. Bah on voit où a piqué ses idées l'ami qui a fait Transformers. Oui, tu finiras bien par apparaître, petit scarabée. Hop, 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 dommage. Est-ce que je vais remettre des crédits? Alors là, je regarde d'un air inquiet le compteur de l'émission, puisque mon engagement, je vous le rappelle, c'est de vous faire des streams de 5 minutes minimum, et j'en suis à 4 minutes 23. Et je pense qu'en meublant par une phrase qui parlerait d'un fait scientifique plus qu'inintéressant, j'ai moyen de dépasser mes 5 minutes et de faire de ce stream un succès total sans avoir à rejouer à cette sinistre... Cette sinistre parodie d'amusement, on va dire. Allez, je suis aimable aujourd'hui. Donc, j'ai mes 5 minutes dans le coffre, je suis heureux.
C'était donc quand Universal fait du jeu vidéo, et finalement, avec toutes ces décennies écoulées, ça n'a pas changé. Universal fait beaucoup de merde quand il fait du jeu vidéo. Ceci dit, faut pas être médisant totalement, et se rappeler qu'ils nous ont fait des bons titres aussi. Même le Die Hard, je le compte comme un bon titre. Et oui, et les connaisseurs s'en rappelleront, le Die Hard en 3D bien carré, qui nous a bien fait marrer à une époque. Sur ce, je vous invite, plutôt que de gober mes élucubrations, à vous abonner à la chaîne, à aller sur le Twitter illico, puisqu'il y a plein de gens complètement marteaux qui viennent se rejoindre pour partager des infos et des bons plans. Et puis, à me retrouver demain à 19h, puisque bien entendu, il y aura un stream. Un stream sur quoi? Je n'en sais absolument rien. Par contre, je peux vous dire directos qu'il ne parlera pas de pâte à pizza. Et ceux qui suivent depuis longtemps savent de quoi je ne parle pas. Bisous. Ciao. Allez vous coucher. C'est un ordre. Si vous faites encore là. Allez, allez, allez. Pi, pi, pi.